Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au signe du zodiaque pour le mois de mars, pour la seconde quinzaine du mois de mars. Donc, on veut savoir ce qu'il va se passer pour vous du 15 au 31 mars. Ce soir, je m'intéresse au signe du lion. Lion, énergie de feu. On va se concentrer. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, signe lunaire, ascendant, un placement en Vénus et même en Mars ou en Jupiter, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc interchangeables. Peut-être que je parle de vous, peut-être que je parle de la personne en face ou de quelqu'un autour de vous. Le temps est fluide, les événements sont peut-être déjà passés, se passent en ce moment ou se passeront dans un futur plus ou moins proche. Et puis, c'est un tirage général. Donc, certains messages vont vous parler et d'autres non, puisqu'il y a des messages pour vous, il y a des messages pour d'autres lions et pour encore d'autres et encore d'autres. Tout ne peut pas vous parler. Et n'essayez pas forcément de faire coller la situation, de faire coller le message à votre situation. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. On se concentre pour le lion. Lion, quel message pour le lion du 15 au 31 mars 2021? Quel message pour le lion du 15 au 31 mars 2021? Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Quel message du 15 au 31 mars 2021 pour les natifs du Lion? Lion signe solaire, Lion signe lunaire, Lion ascendant. Il y a votre carte qui s'est retournée. Lion signe solaire. Merci. J'ai l'alpha, le pardon et le retour. On parle de nouveau départ ici. On me parle de nouveau départ. On me parle de retour. Certains d'entre vous ont mis fin, pour moi, à un partenariat, fin à une relation, fin à un contrat. Et on essaye, ou en tout cas, on va essayer de vous ramener à ce partenariat, à cette relation ou à ce contrat. D'accord? J'ai la notion de faute, de honte. J'ai quelqu'un, moi, ou une autre partie en tout cas, qui a fauté, qui n'a pas été honnête, c'est ce qu'on me dit ici, et qui veut revenir. D'accord? Et qui, pour l'instant, peut-être, garde le silence ou n'avait pas de nouvelles. Ça peut être lié à quelqu'un. Si c'est dans le cadre, pourquoi on parle de client? Client d'entreprise, vous n'avez pas reçu de courrier, n'avez pas de retour par rapport à une situation, vous souhaitez passer à autre chose, vous aurez, on me dit que cette personne ou cette partie en tout cas, que ce soit une entreprise ou une administration même, on parle de faute ici, vous aurez un retour. Il y aura bien un retour. Il y a une notion de faute ici. Il peut y avoir un acte malveillant, hein. Un acte malveillant, un acte, des paroles malveillantes, malhonnêtes même, qui vous ont poussé à claquer la porte et là vous êtes sur un nouveau départ. Ça, c'est les premières énergies que j'ai pour vous, mes natifs du Lion. Pour certaines relations sentimentales, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a eu, vous avez découvert que votre conjoint vous trompait. D'accord? Cette personne, elle est désolée aujourd'hui. Vous l'avez jetée, on va dire ça comme ça.
Vous êtes sur un nouveau départ, vous avez réussi à lâcher prise, à vous occuper de vous-même, vous êtes sur un nouveau départ et cette personne-là, elle veut revenir parce qu'elle voit aussi que vous êtes sur un nouveau départ. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de sentiments, mais je ne vais pas plus loin là, donc je ne peux pas voir en profondeur, mais on voit que cette personne a honte et est vraiment désolée. Et si elle n'est pas encore revenue pour vous présenter ses excuses, elle reviendra. Alors, c'est parti pour le lion. Le lion, quel message pour les natifs du signe du lion? Quel message pour le lion? Lion, signe solaire, lion, signe lunaire, ascendant. S'il vous plaît, quel message pour le lion et uniquement le lion? Guide. Quel message pour le lion et uniquement le lion, s'il vous plaît? Quel message pour le lion? Quel message pour le lion? Quel message pour le lion? Lion du 15 au 31 mars, s'il vous plaît. Lion, il y a certaines personnes parmi vous qui pouvaient subir quelques turbulences au niveau familial, d'accord? Ça peut se jouer au niveau ça peut se jouer au niveau des enfants, ça peut se jouer au niveau de votre couple aussi, en tout cas de l'harmonie familiale. Il y a quelques, pour moi, vous avez construit quelque chose de stable, d'accord? C'est une relation qui est stable, c'est un engagement. Il peut y avoir quelques instabilités en ce moment, où il y a eu des instabilités dans un passé plus ou moins récent, qui ont pu mettre à mal l'harmonie familiale. On me parle aussi d'instabilité parce que souci de communication, des choses qu'on ne dit pas, d'accord? Qu'on garde pour soi. Ouais. J'ai vraiment ici des choses qu'on garde, des informations qu'on garde pour soi, des sentiments qu'on garde pour soi. Et même si on ne dit pas, et c'est là surtout, on a beau ne pas dire les choses, ça se sent. Vous vivez avec des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est vous, mes chers lions, qui ne parlez pas, soit c'est quelqu'un en face. Ça peut être les enfants, ça peut être votre conjoint, quelqu'un qui ne dit pas les choses et ça énerve. Je vois que ça énerve l'autre partie, ça énerve l'autre personne. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire et ça crée un malaise. Ça crée un malaise. Ça peut, je vois le besoin de retourner au calme dans la communication, faire attention à sa façon de communiquer. Communiquer de façon constructive ici et pas communiquer pour détruire et pour abîmer, d'accord? Faire preuve comment dire, de davantage de froideur ou en tout cas de mesure dans ce qu'on dit. J'ai des personnes qui s'enflamment vite ici. Dans la famille, à la maison, peut-être une situation qui peut être un petit peu pesante. Des responsabilités qui commencent à vous peser ici et j'ai quelqu'un qui s'enflamme vite. Encore une fois, c'est pas vous les lions, c'est quelqu'un en face de vous. D'accord? Des projets que vous n'arrivez pas à mettre en place ou des projets dans lesquels vous avez beaucoup investi ou vous comptez investir. Moi, je vois surtout des projets dans lesquels vous avez investi qui n'avancent pas forcément. Il y a une instabilité par rapport à ça et il n'y a pas de résultat escompté. Ça met sur les nerfs. J'ai à côté de ça des personnes qui souhaitent mettre des choses en place. On vous dit de garder ça pour vous aussi. Vous dites vous isoler un petit peu du reste, soit de votre famille, des amis, etc. Vous isoler un petit peu, puis de garder ce que vous souhaitez faire pour vous. OK? De pas forcément divulguer. Alors, c'est surtout à votre famille qu'on me dit. Alors, je ne parle pas du conjoint ou des enfants, quoi que ce soit, mais de la famille ou des personnes, des amis que vous voyez, enfin, que vous voyez, que vous côtoyez, pardon, régulièrement, etc., qui vous parlez régulièrement, on me dit de garder un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de. J'ai des personnes qui se sentent obligées de tout dire à leur famille ici. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre famille, hein, d'accord?
Ouais. J'ai des énergies dans la famille, moi, qui sont instables, qui sont un petit peu comme ci, comme ça. J'ai des personnes dans la famille qui peuvent être un peu jalouses, d'accord? Et même si vous ne le voyez pas forcément, on me dit de garder vos projets cachés et vos projets pour vous. Alors, encore une fois, ça peut être vous, le lion, le membre de la famille jaloux, je vais accuser personne, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, ou ça peut être des personnes jalouses envers vous. Alors, c'est parti, le lion. Quel message pour le lion du 15 au 31 mars 2021? Lion et uniquement lion, s'il vous plaît, merci. Ah, j'ai des personnes ici dans la vie du lion, dans les énergies autour du lion. J'ai des personnes, des membres de la famille ou des amis qui cherchent à savoir ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en entreprise, quelqu'un qui cherche à savoir. J'ai des personnes qui cherchent à savoir ce que vous montez comme projet. Quelqu'un qui sont. Alors, j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. Quelqu'un qui sont. Je crois que c'est une première, celle-là. J'ai des personnes qui sont en train de chercher à savoir ce que vous faites. Professionnellement parlant, dans vos projets, j'ai des personnes qui. Alors, si vous. J'ai une notion de vedettariat, on me dit, je sais même pas si le mot existe. Vous êtes peut-être connu dans ce que vous faites, on me parle. J'ai le soleil sur vos. Donc, le lion, le soleil, ça s'applique bien à votre signe. J'ai des projets, j'ai des personnes qui sont peut-être beaucoup présentes sur les réseaux sociaux, etc. On me dit que on cherche à copier vos idées ou peut-être que vous cherchez à copier les idées de quelqu'un d'autre. Encore une fois, ne prenez pas mal, hein. Comme je dis, les énergies sont interchangeables. Je vois beaucoup d'espionnage, je vois beaucoup de surveillance sur ce que vous faites, je vois de la jalousie aussi. C'est pour ça qu'on me dit, c'est pas pour rien, je ne peux pas l'inventer. On me dit de garder vos choses pour vous, vos projets pour vous. Et pour moi, c'est des gens de la famille. Et c'est des gens à qui vous parlez, hein. Pas des gens de la famille à qui vous parlez pas. Pour moi, c'est des gens de la famille à qui vous parlez. Il y a peut-être eu des disputes avec ces personnes-là, mais c'est des gens avec qui vous avez les énergies de ces personnes-là. Ce sont des personnes à qui vous parlez, encore une fois. Elles sont dans vos énergies, actuellement, ces personnes-là. Pour moi, ce n'est pas des personnes qui regardent de loin, hein. Alors, les lions, 15 au 31 mars 2021. Ouais. Je vois des personnes qui se sont éloignées, qui ont pris de la distance, soit par rapport à vous, soit ces personnes, elles ont pris de la distance par rapport à vous, soit vous, les lions, vous avez pris de la distance par rapport à certaines personnes. D'accord? Parce qu'il y avait un malaise, effectivement. Il y avait une idée de malhonnêteté et de jalousie, je vois. D'accord? On est en train de me dire, il y a quelqu'un qui cache ses projets, qui ne vous dit pas ce qu'elle fait, ou etc., parce qu'elle n'a pas confiance en vous, si on me dit Lyon. C'est vous qui connaissez votre situation, hein? Alors. Lion, du 15 au 31 mars 2021. Ouais, il y a une relation familiale là qui a pris fin, ou amicale qui a pris fin, d'accord? Je vois des choses qui ont été, des choses aussi qui ont été découvertes, des choses qui ont été dites ou faites qui ont déçu quelqu'un. Soit vous avez dit ou fait des choses, les lions, vous avez déçu quelqu'un, d'accord? Il y a des choses qui ont été dites ou faites qui sont. On parle de choses qui ont été dites, qui sont remontées aux oreilles de quelqu'un, d'accord? Et cette personne, voilà ce qu'on me dit. Vous avez des doutes sur cette personne, mais cette personne, elle n'a pas confiance en vous et cette personne, elle s'est retirée de votre énergie. Je vois ça aussi. Il y a quelqu'un qui s'est carrément retiré de votre énergie parce qu'il y a des choses qui lui ont été rapportées.
Lyon du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Lyon du 15 au 31 mars 2021. Donc vous aurez l'occasion de rentrer à nouveau en contact avec cette personne, on me dit, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui gardera beaucoup de choses pour elle, pour avoir la paix. Moi, je ressens beaucoup un membre de votre famille, Lyon. Je ressens beaucoup un membre de votre famille, les Lyons, qui s'est mis en retrait par rapport à vous. Parce que cette personne, elle a découvert des choses qui l'ont affecté ou qui l'ont étonné. Le mot, c'est même pas ça, hein, c'est plus fort que ça. Des choses qui l'ont dégoûté, qui ont dit ah bon, ok. Et c'est pas pour tout le monde, mais je dis ce que je vois, sans langue de bois. Hein. Ouais, j'ai une relation ici, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne souhaite pas qu'on l'approche parce qu'elle a découvert des choses. Peut-être que c'est des choses qu'elle ne voyait pas avant. Elle a découvert des choses. Je pense qu'il y a une certaine jalousie, ou soit de votre part, ou de la part de quelqu'un d'autre encore, des choses qui ont été rapportées. Et cette personne-là, il y a un malaise qui s'est créé. Cette personne-là, elle a pris la tangente et elle ne communique pas. Donc, j'ai plusieurs cas de figure ici. Alors, les lions, du 15 au 31 mars 2021. Les lions, du 15 au 31 mars 2021. Ça peut être une collègue ou... Moi, je vois beaucoup dans le domaine professionnel aussi. Hein. Il y a la famille, mais il y a aussi le domaine professionnel. D'accord? Lion, du 15 au 31 mars, s'il vous plaît. Et dans cette histoire-là, j'ai quelqu'un qui peut avoir des regrets, qui aimerait bien retourner en arrière, mais j'ai quelqu'un qui préfère rester dans son coin et faire ses choses en solo, j'ai envie de dire, sans inclure personne, et surtout pas quelqu'un de la famille ou quelqu'un, une ancienne amie ou quelque chose comme ça. Le lion du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais sortir, les deux sont retournés. Bon, ça, ce sont de belles cartes. Alors, et on parle d'une situation passée ici. Alors, dans le domaine professionnel, vous avez des personnes avec qui vous travaillez qui vous ont piqué une idée ou piqué un projet. On vous dit, faites attention, pardon, si ce n'est pas déjà fait. Ou soit vous avez piqué un projet à quelqu'un. Ou en tout cas, quelqu'un pense que vous lui avez piqué un projet. OK? Ça, c'est dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, toujours, on me dit que on vous espionne, on vous surveille au travail, d'accord? On vous surveille, on lit vos mails, on écoute vos conversations, on cherche à épier votre travail, votre façon de travailler, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup de choses ici qui sont assez négatives. Attention aux disputes en famille, l'éclatement d'une famille. J'ai des personnes pour qui on est sur le point de se séparer, une famille, hein, se séparer ou même de divorcer parce qu'il y a trop d'instabilité, qu'on n'arrive pas à mettre, à se réconcilier. Pour d'autres, on essaie de travailler sur les difficultés, on arrive à trouver un compromis, d'accord? Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Voyez ce qui colle à votre situation. Alors ça, je dirai après. J'ai des personnes là qui, alors si c'est pas vous, c'est autour de vous, j'ai des personnes qui ont besoin de, même si je dis pas la santé, hein, mais j'ai des personnes qui sont pas au top de leur forme, on va dire ça comme ça, et qui ont besoin, qui sont hospitalisées ou qui ont besoin de vraiment se reposer. Ouais, on parle d'hospitalisation là aussi, vous allez apprendre des nouvelles aussi,
ou vous avez appris des nouvelles à quelqu'un d'autre sur l'hospitalisation de quelqu'un ici, d'accord? Dans le domaine sentimental. Que j'ai pas beaucoup parlé du sentimental, mais il y a du sentimental. Mes chers lions, vous avez un homme en tête ou une femme avec une polarité masculine prononcée, plus prononcée en ce moment. Vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, d'accord? J'ai les passions, la passion, quelqu'un de passionné, mais quelqu'un qui a aussi le cœur un petit peu partagé. D'accord? J'ai quelqu'un qui a hâte de vous retrouver, quelqu'un qui est très passionné, très, très, très passionné, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de passion, une très forte envie de vous retrouver. Moi, je vois, pour certains, c'est pas pour tout le monde. Je vois plus tard un emménagement avec cette personne, ok? C'est pas pour tout de suite et c'est pas pour tout le monde. Je rappelle, ne revenez pas me dire oui, mais non, mais c'est fini. Non, c'est pas pour tout le monde, ok? C'est quelqu'un qui a des projets avec vous, mais qui ne vous dit pas, d'accord? Cette personne, elle garde ça pour elle, elle garde ses projets. Je vois, en tout cas, il y a un fort potentiel. Je ne vais pas vous dire, je vois la réussite avec cette personne, etc., etc. Il y a une possibilité, une forte probabilité que cette relation donne quelque chose de stable, que vous évoluiez avec cette personne. Il y a un grand potentiel avec cette personne-là. Maintenant, comme les choses sont jamais simples, est-ce que vous allez aller jusque-là? Ça, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre, hein, on voit les choses. Maintenant, vous pouvez prendre la tangente et puis bah, forcément, vous changez votre destinée. Ça marche comme ça. Hein. Donc, par rapport à cette relation sentimentale-là, on me dit aussi, pour certaines personnes, alors pour certaines personnes, c'est voilà, hein, tout est bien. Pour d'autres, vous aviez des projets avec quelqu'un et cette personne vous... n'avez pas les mêmes projets que vous, elle vous a pas forcément dit, vous vous sentez trahi par rapport à cette personne. J'ai carrément des personnes qui se sont fait voler, qui financièrement parlant, quelqu'un a pu utiliser votre carte bleue ou un conjoint qui fait un crédit à la consommation en vos deux noms. On me parle de ça. Je sais pas si ça vous parle, vous me mettrez en commentaire. Il y a un abus et du vol là dans une relation, d'accord? Quelqu'un en qui on avait confiance, il y a un abus, il y a du vol. Je ne sais pas pourquoi on parle de quelqu'un qui a construit quelque chose derrière votre dos, qui est en train de mettre en place quelque chose derrière votre dos, qui a peut-être acheté quelque chose derrière votre dos, un bien immobilier ou il y a une trahison. Et vous avez découvert, c'est pas tout le monde encore une fois. Ça, comment dire, ça a mené à l'éclatement de la famille. Il y a des ça encore, c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui avaient deux foyers en même temps, une famille ici et une famille là, d'accord? Engagée dans deux endroits. Et quelqu'un l'a découvert, ça a tout fait éclater. Il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière et de se réconcilier. Ça encore, c'est très spécifique, c'est pas pour tout le monde. J'ai d'autres personnes, vous allez apprendre que un conjoint ou un ex-conjoint est malade. J'ai d'autres personnes qui sont en relation avec quelqu'un. Et là, il faudrait que je pousse plus loin pour voir pourquoi vos projets ont été contrecarrés. Vous vous prépariez à revoir quelqu'un, à vous rencontrer, hein, et vos projets ont été contrecarrés par une tierce énergie. Et là, je ne peux pas vous dire, il faudrait que j'aille plus en profondeur pour savoir d'où vient cette tierce énergie-là. C'est pour ça que je vous remettrai... Je ne sais plus à quel moment, en tout cas, je vous ai dit,
J'ai des personnes qui sont en relation avec quelqu'un, il y a beaucoup de passion, etc. Mais cette personne, elle a le cœur partagé. On me dit de faire un choix. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il y a une énergie qu'il faut laisser derrière et surtout une énergie avec laquelle il faut couper. Voilà ce qu'on me dit. Voilà pour vous les lions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous êtes reconnus dans mes messages, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez prendre un rendez-vous pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter, vous abonner. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt, les lions. Que la paix et la lumière soient sur vous.